Mesdames et messieurs, c'est aujourd'hui la 4e fois que j'ai le grand honneur de prendre la parole devant cette Assemblée en tant que président des États-Unis. Ce sera la dernière fois pour moi. J'ai été le témoin de chamboulements dans l'histoire. C'est en 1972 que j'ai commencé à travailler en tant que sénateur aux États-Unis. Je sais qu'on dirait que j'ai 40 ans à peine. J'avais à l'époque 29 ans. Nous traversions également un moment charnière de notre histoire, caractérisé par des tensions, beaucoup d'incertitudes. Le monde était divisé par la guerre froide. Le Moyen-Orient s'acheminait vers la guerre. Les États-Unis étaient en guerre avec le Vietnam. À ce stade, c'était la plus longue guerre dans l'histoire de mon pays, qui était divisée, qui était en colère. On se demandait si les États-Unis allaient rester une puissance, ce que lui réservait l'avenir. Mais même à l'époque, j'ai choisi le service public, non pas par désespoir, mais par détermination, et les États-Unis s'en sont sortis. Ça n'a pas été facile, loin de là. Il y a eu des revers, mais nous sommes allés de l'avant pour réduire la menace des armes nucléaires à travers la maîtrise des armements. Et puis nous avons mis fin à la guerre froide elle-même. Nous avons forgé une paix historique. Nous avons élevé notre partenariat avec le Vietnam au plus haut niveau. C'est la preuve de la résilience de l'esprit humain, de ses capacités de réconciliation. Aujourd'hui, les États-Unis et le Vietnam sont des partenaires, sont des amis. C'est la preuve que même au milieu des horreurs de la guerre, il faut déceler l'issue, car les choses peuvent toujours s'améliorer. Nous ne devons jamais l'oublier. Je l'ai constaté tout au long de ma carrière. Dans les années 80, j'ai dénoncé l'apartheid en Afrique du Sud. J'ai vu des régimes s'effondrer. J'ai exigé la reddition de comptes pour des crimes de guerre. J'ai dénoncé le fléau des violences contre les femmes et les filles, pas seulement aux États-Unis, mais aux 4 coins du monde. Et vous êtes nombreux à l'avoir fait également. Il nous reste tant de travail à abattre, notamment pour lutter contre le recours au viol et aux violences sexuelles comme armes de guerre et de terreur. Lors des attentats du 11 septembre, orchestré par Al-Qaïda et Ben Laden, nous avons œuvré et nous l'avons ensuite traduit en justice. Aujourd'hui, nous traversons une autre période d'incertitude. Et je crois que les États-Unis peuvent se tourner vers l'avenir. L'avenir nous réserve de nouveaux défis, mais aussi de nouvelles occasions à saisir. Nous devons nous positionner pour déceler les menaces, relever les défis et saisir les occasions qui s'offrent à nous. En tant que vice-président du président Obama, j'ai travaillé pour petit à petit mettre fin à nos opérations militaires en Irak, pour mettre fin à la guerre qui avait commencé avec le 11 septembre. C'est ce que nous avons fait. Lorsque j'ai pris mes fonctions de président, l'Afghanistan, après le Vietnam, était devenue la plus longue guerre de notre histoire et j'étais bien déterminé à y mettre fin, et c'est ce que j'ai fait. La décision a été difficile, mais c'était la bonne décision. 4 présidents avaient été confrontés à cette décision, mais moi j'étais bien décidé de ne pas remettre cela à mon successeur. Cette décision s'est accompagnée de tragédies. 13 Américains courageux ont perdu la vie, ainsi que des centaines d'Afghans en raison d'attentats kamikazes. Je pense à ces vies perdues tous les jours. Je pense aux 2400 et quelques Américains qui ont perdu la vie, à tous ceux qui ont été blessés au combat. Je pense à leur sacrifice, à leur héroïsme. Je sais que beaucoup d'autres pays pleurent des vies. Nous rendons hommage aussi au sacrifice de leurs ressortissants. J'étais aussi bien décidé à reconstruire les partenariats entre mon pays et d'autres, de façon inédite. Nous l'avons fait depuis les partenariats traditionnels jusqu'aux nouveaux, comme le partenariat dit Quad avec l'Australie, le Japon, l'Inde et les États-Unis. Je sais que de nombreuses personnes aujourd'hui, face au monde que nous connaissons, sont emplies de désespoir, mais ce n'est pas mon cas. Je refuse que ce soit le cas. Nous sommes les dirigeantes, de ce monde et nous n'avons pas ce luxe. Je vois les défis en Ukraine, à Gaza, au Soudan, la guerre, la faim, le terrorisme, la barbarie, des déplacements de population record, la crise climatique, la démocratie en péril, des clivages au sein de nos sociétés. Les promesses de l'intelligence artificielle s'accompagnent de risques de taille. La liste est longue. Mais peut-être en raison de tout ce que j'ai vu au long de ma carrière, tout ce que nous avons fait ensemble au fil des décennies, j'espère, je sais qu'une issue va se dessiner. En 1990, un grand homme avait décrit le monde comme ceci. Lorsque les choses s'effondrent de tous côtés, lorsque l'anarchie engouffre le monde, on pourrait penser que cette description est assez pertinente en 2024, comme elle était en 1990. Mais moi, je vois une distinction essentielle. Le centre du monde est encore debout. Les dirigeants du monde entier ont décidé de faire front commun pour tourner la page sur la pire pandémie de notre histoire, très récemment. La Covid ne définit plus nos vies. Nous avons aussi décidé de défendre la Charte des Nations Unies, de garantir la survie de l'Ukraine en tant que nation libre. Mon pays a réalisé le plus grand investissement dans l'action climatique et l'énergie propre de notre histoire. Nous ne permettrons pas à nos pays d'être divisés, déchirés. Le cynisme, le désespoir ne vont pas l'emporter. Notre tâche consiste à faire en sorte que les forces qui nous unissent soient plus puissantes que les forces centrifuges qui voudraient nous diviser. Les partenariats sont la clé. C'est grâce aux partenariats que nous pourrons relever le défi. Lorsque le centre reste debout, mesdames et messieurs, je suis sûr que nous pouvons aller de l'avant. Les choix que nous prenons aujourd'hui fixeront le cap de notre avenir pendant des décennies. Si nous restons fidèles aux principes qui nous unissent, si nous restons fermes face à l'agression, si nous mettons fin aux conflits qui font rage, si nous relevons les défis que sont les changements climatiques, la faim, la maladie, alors, nous serons vainqueurs. Nous devons prévoir maintenant les occasions à relever et les risques des nouvelles technologies. Je crois que pour commencer, nous nous sommes tous engagés à défendre les principes des Nations Unies et nous devons continuer à le faire. Nous devons dénoncer l'agression. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, nous aurions pu rester les bras croisés, mais nous avons bien compris que c'était une attaque contre tout ce qu'incarne cette institution. C'est pourquoi les États-Unis sont intervenus, ont envoyé une assistance économique et humanitaire massive. Nos partenaires de l'OTAN et 50 pays environ nous ont emboîté le pas. Et c'est le principal. Le peuple ukrainien a résisté. Et je demande au peuple représenté ici de résister pour eux. La bonne nouvelle, c'est que la guerre de Poutine est un échec. Il a voulu défaire l'Ukraine. L'Ukraine est encore libre. Il a voulu défaire l'OTAN, mais l'OTAN est plus robuste que jamais, avec 2 nouveaux membres, la Suède et la Finlande. Nous ne pouvons pas baisser les bras. Et le monde maintenant a un autre choix à faire. Allons-nous continuer d'appuyer l'Ukraine pour l'aider à gagner cette guerre et à rester libre, ou allons-nous nous détourner d'elle et laisser cette nation être détruite? Je connais la réponse. Nous ne pouvons pas permettre que la lassitude l'emporte. Nous ne pouvons pas détourner le regard. Nous n'allons jamais cesser d'appuyer l'Ukraine tant qu'elle n'aura pas regagné sa paix, la paix qu'elle mérite, une paix juste et durable, comme le veut la Charte des Nations Unies. Nous devons aussi défendre nos principes alors que nous nous efforçons de gérer de façon responsable la concurrence avec la Chine pour qu'elle ne dégénère pas en conflit. Nous sommes prêts à coopérer pour relever les défis qui se présentent pour le bien de nos peuples, les peuples du monde entier. Nous voulons travailler en coopération avec la Chine pour lutter contre les stupéfiants de synthèse. Je me félicite de cette coopération. Elle est importante pour les habitants de mon pays et bon nombre d'habitants de cette planète. Mais les États-Unis n'hésiteront jamais à résister contre la coercition dans la mer de Chine méridionale. Nous voulons maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan, protéger nos technologies de pointe pour qu'elles ne puissent être utilisées contre nous ou contre aucun de nos partenaires. Dans le même temps, nous voulons continuer de renforcer notre réseau de partenariats et d'alliances dans toute la région de l'Indo-Pacifique. Ces partenariats ne visent aucune nation. Ils sont libres. Ils sont la socle d'une région de l'Indo-Pacifique libre, sûre, ouverte. Et j'en viens maintenant au Moyen-Orient. Nous ne devons pas fermer les yeux devant les horreurs du 7 octobre. Tout pays a le droit et la responsabilité de faire en sorte qu'une telle horreur ne se répète jamais. Des milliers de terroristes du Hamas ont envahi un État souverain, ont massacré plus de 1200 personnes, y compris 46 Américaines et Américains, dans les foyers de ces victimes et à un festival. Ce sont des actes de violence indescriptibles. Je porte le deuil des victimes et je accompagne le deuil des familles, des otages qui vivent l'enfer. Et des civils innocents à Gaza vivent aussi l'enfer. Des milliers ont été tués, y compris des travailleurs humanitaires. Il y a trop de familles qui ont été déchirées. Des milliers de personnes qui vivent dans des tentes traversent une catastrophe humanitaire terrible. Ils ne sont pas responsables de cette guerre que le Hamas a commencée. J'appelle à un cessez-le-feu et un accord pour la libération des otages. C'est ce que veut aussi le Conseil de sécurité. L'heure est venue de mettre la dernière main à ce plan pour que les otages puissent rentrer chez eux et pour garantir la sécurité d'Israël et pour libérer Gaza de l'étau du Hamas. Il faut mettre fin à cette guerre. Depuis le 7 octobre, nous restons aussi déterminés d'empêcher une guerre plus large qui engouffrerait tout le Moyen-Orient. Le Hezbollah, sans provocation, s'est joint à cette attaque le 7 octobre en tirant des roquettes vers Israël. Près d'un an a passé et la frontière entre le Liban et Israël reste un théâtre de déplacement. Une guerre à large échelle n'est dans l'intérêt de personne. Malgré l'escalade, une solution diplomatique reste possible. C'est la seule issue, la seule voie vers une sécurité durable, la seule solution pour permettre aux populations des deux côtés de regagner leur foyer. Et nous travaillons sans relâche pour atteindre cet objectif. Nous devons aussi faire face aux violences inacceptables contre les Palestiniens en Cisjordanie et jeter les bases d'un avenir meilleur, passant par une solution à deux États, avec Israël qui jouirait de la paix et de la sécurité, reconnue par tous ses voisins, et où les Palestiniens pourraient vivre dans la sécurité, dans la dignité, avec reconnaissance d'un État qui leur soit propre. Si nous avançons vers la paix, nous serons en meilleure posture pour contrer la menace croissante que représente l'Iran, pour lutter contre les terroristes qui ont appelé à davantage de 7 octobre. Nous devons veiller à ce que l'Iran ne mette jamais la main sur l'arme nucléaire. Gaza n'est pas le seul conflit qui doit nous révolter. Au Soudan, une guerre civile sanglante a débouché sur la pire crise humanitaire au monde. 8 millions de personnes sont au bord de la famine. Des centaines de milliers souffrent déjà de famine. Des atrocités sont perpétrées au Darfour et ailleurs. Les États-Unis sont en première ligne dans l'acheminement d'aide humanitaire au Soudan, l'envoi d'aide humanitaire au Soudan. Nous voulons travailler pour faire taire les armes et pour éviter une famine qui serait pire encore. Le monde doit cesser d'armer les généraux. Il doit s'exprimer à l'unisson pour leur dire « Cessez de déchirer votre pays. Mettez fin dès à présent à cette guerre. » Mais nos citoyens ont besoin de davantage que de l'absence de guerre. Ils doivent pouvoir vivre dans la dignité, protégés des ravages des changements climatiques, de la faim et des maladies. Notre gouvernement a investi à hauteur de 150 milliards de dollars pour avancer vers la réalisation des objectifs de développement durable. 20 milliards sont consacrés à la sécurité alimentaire, 50 milliards à la santé mondiale. Nous allons encore mobiliser des fonds auprès du secteur privé. Nous avons lancé les initiatives climatiques les plus ambitieuses de notre histoire. Dès le premier jour de mon mandat, j'ai fait ce qu'il fallait pour regagner l'accord de Paris. Et aujourd'hui, mon pays est de nouveau sur la bonne voie, enfin, pour réduire de moitié les émissions d'ici à 2030. Nous sommes sur la bonne voie aussi pour donner ma promesse de multiplier par 4 le financement de l'action climatique pour les pays en développement. Nous avons rejoint de nouveau l'Organisation mondiale de la santé. 7 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 ont été distribuées à une centaine de pays. Nous devons maintenant agir rapidement pour contrer l'épidémie de mpox en Afrique. Et nous avons débloqué 5 milliards de dollars et d'ores et déjà œuvré à l'envoi de doses de vaccins contre cette maladie. Nous appelons nos partenaires à nous emboîter le pas pour que cet engagement aux populations africaines se chiffre en milliards de dollars. Nous voulons lancer une initiative ambitieuse pour mobiliser suffisamment de financement pour le monde en développement. Nous voulons aider les pays en développement à construire des infrastructures permettant une transition vers l'énergie propre, les aider aussi à la révolution du numérique pour un avenir prospère. C'est un partenariat intitulé « Partenariat pour les investissements mondiaux dans le domaine des infrastructures » et il commence déjà à donner ses fruits en Afrique australe, en Asie du Sud-Est et dans la région des Amériques. Nous devons continuer d'aller de l'avant. Ensemble, nous devons réaliser le travail qui nous attend et pour cela, il nous faut une ONU plus efficace. C'est pourquoi nous sommes favorables à la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies qui doit être élargie. Nous voulons un Conseil de sécurité qui soit le reflet du monde d'aujourd'hui et pas d'hier. L'heure est venue d'avancer. L'ONU doit de nouveau devenir un négociateur pour faire la paix, mettre fin aux guerres et aux souffrances, mettre fin à la dissémination des armes les plus dangereuses, apporter une accalmie dans les régions troublées de l'Afrique de l'Est à Haïti. Nous travaillons aux côtés du peuple haïtien pour changer la situation. Nous avons aussi la responsabilité de préparer nos citoyens à l'avenir. Nous voyons que les nouvelles technologies évoluent très rapidement. Il y a eu des changements plus importants ces deux dernières années que pendant les 50 années qui les ont précédées. L'intelligence artificielle va tout changer, nos vies, notre monde du travail, la guerre aussi. Ces nouveaux outils technologiques pourraient améliorer notre existence, mais l'intelligence artificielle s'accompagne aussi de risques profonds dans le domaine des deepfakes, des armes biologiques. Il faut mettre en place de nouvelles normes à respecter. Cette année, la première résolution à l'Assemblée générale de toute son histoire a été adoptée au sujet de l'intelligence artificielle. Il s'agit de mettre en place de nouvelles règles du jeu. Nous avons aussi adopté une déclaration sur une utilisation responsable de l'IA avec 60 autres pays représentés ici. Mais ne nous berçons pas d'illusions, ce n'est que le sommet de l'iceberg de tout le travail qui doit être abattu pour gérer ces nouvelles technologies. Personne ne sait exactement comment l'IA va évoluer, comment elle sera déployée. Personne ne détient toutes les clés ou toutes les réponses. Rempli d'humilité, je poserai simplement deux questions, chers collègues. Tout d'abord, en tant que communauté internationale, comment pouvons-nous régir l'intelligence artificielle. Les pays comme les entreprises avancent vers des frontières inconnues. Nous devons de toute urgence déployer des efforts pour garantir la sécurité de l'intelligence artificielle, sa sûreté, sa fiabilité. L'IA gagne en puissance, il faut aussi qu'elle gagne en responsabilité. Il faut défendre nos valeurs. Et les avantages de ces nouvelles technologies doivent être répartis équitablement. Ils doivent être mis à profit pour combler le fossé numérique et non pas le creuser. Deuxièmement, il faut veiller à ce que l'intelligence artificielle étaye le principe clé selon lequel la vie humaine est porteuse de valeur, plutôt que de saper ce principe. L'IA ne doit pas être un outil dotant les dictateurs d'armes plus puissantes de répression. Ce sera peut-être la plus grande épreuve pour la classe dirigeante d'aujourd'hui. J'aimerais conclure par ceci. Les changements sont partout dans le monde d'aujourd'hui, mais une chose ne doit jamais changer. N'oublions jamais qui nous sommes ici pour représenter, nous, les peuples. Voilà les premiers mots de notre Constitution. C'est la source d'inspiration pour l'introduction de la Charte des Nations Unies. Cet été, j'ai dû prendre une décision. Décider si je voulais briguer un second mandat en tant que président des États-Unis, un choix difficile. Être président des États-Unis a été l'honneur de toute ma vie. J'aimerais en faire tant encore. J'aime ce travail, mais j'aime encore plus mon pays. Et j'ai décidé qu'après tant d'années de service public, l'heure était venue de passer le relais à une nouvelle génération. Chers collègues, n'oublions jamais qu'il y a des choses plus importantes que de rester au pouvoir. Ce sont les peuples, les personnes qui comptent plus que tout. N'oublions jamais que nous sommes au service de nos peuples. Ce n'est pas l'inverse, jamais l'inverse. L'avenir que nous voulons est un avenir où tous nos citoyens pourront exploiter leur potentiel, vivre librement, aimer librement, innover. C'est l'âme de la démocratie. Elle n'appartient à aucun pays en particulier. Elle est vivante aux quatre coins du monde. Je l'ai vue. Je l'ai vue chez ces hommes, ces femmes courageuses qui ont mis fin à l'apartheid, qui se battent aujourd'hui pour la liberté, la justice, la dignité. Cette soif de liberté et de dignité au Venezuela, nous l'avons vue. Lorsque la population a voté pour le changement, ça n'a pas été reconnu, mais ça ne peut pas être nié. Les mots sont porteurs de vérité. Nous l'avons vu en Ouganda avec les militants pour les droits des LGBT qui exigent de pouvoir vivre en toute sécurité. Nous le voyons aux quatre coins du monde. Des citoyens décident de prendre les rênes de leur avenir. Nous l'avons vu partout. En l'année 2024, un quart de l'humanité a procédé ou procédera à des élections. C'est remarquable. Et cela m'emplit d'optimisme, plus que jamais. Depuis 1972, année où j'ai été élu au Sénat, j'ai connu bien des défis à chaque âge de ma vie, lorsque j'étais jeune et aujourd'hui encore. Mais je l'ai toujours constaté et je le constate une fois de plus, nous sommes plus forts que nous le pensons. Nous sommes plus forts ensemble que seuls. Rien n'est impossible. Nelson Mandela l'a dit. On pense toujours que c'est impossible jusqu'à ce qu'on y arrive. Mesdames et messieurs, rien n'est hors de notre portée si nous travaillons ensemble. Mettons-nous à la tâche. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu garde tous ceux qui recherchent la paix. Merci.